Écoutez, les filles, vous devez savoir que je suis un vrai mec. Alors je pourrais m'occuper de vous deux à la fois au même moment. Ne faites pas attention à mon ami. Je ne sais même pas pourquoi il essaie de vous saouler, vu que c'est moi qui vais rentrer avec vous deux. Ouais, aide-moi à nourrir mes nanas avec de l'alcool. Allez, arrête ça, tu ne peux même pas tenir 10 minutes avec elle. Dépêchez-vous, les filles, je veux que ce mec parte d'ici. Petit jaloux, je sais que tu rêves d'avoir ces deux filles. Sache que tu ne les auras pas. Elles sont toutes à moi. Ah bon? Ouais. Allez, mec, laisse-moi prendre une fille parmi elles, hein? Tu veux aller avec lui? Alors, tu vois, elles sont en effet toutes les deux folles de moi. Un bisou. C'est pas bien, mec. Qu'est-ce que tu Mec, qu'est-ce fais? qui t'arrive? Qu'est-ce que Laisse-moi tu une fille. fais? Enlève ta main. Personne ne touche à mes nanas. Non, laisse ma main Allez, tranquille, s'il te mec. plaît, Enlève. mec. Demande à ton pote là qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez lui. Tu es trop égoïste, mec. Je prends ça vraiment comme un compliment. Tu as toutes les deux pour toi tout seul et tu ne Si la je donnes n'étais même pas pas à voir, égoïste, mec. à vrai dire, je me haïrais tellement. Oui, aide-moi à les rendre saouls. Pour moi. Pour toi? Qu'est-ce qu'il y a? Restez là. Je reviens tout de suite. Où est-ce qu'il va? Dehors. Pas facile comme ça. Quoi? Mais qui a pu abandonner ce bébé ici? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? J'en sais rien. J'essaye de réfléchir. Nous devons y aller. Bobby doit sûrement nous C'est attendre. vraiment à ça que tu penses maintenant? À Bobby? Ah, nous devons partir. On ne peut pas rester ici. Ce n'est qu'un bébé, Ferme ta gueule! abandonné dans la rue. Alors, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'emmène le bébé à l'hôpital le plus proche. Quoi? Attends. Que fais-tu de nous? Restez là si vous voulez, ou venez avec moi. Quoi? Si vous refusez, restez là et prenez un taxi, merci. C'était une belle soirée. Quoi? Mais Qu'est-ce qu'est-ce qui se qu'il fout? passe? Il est sérieux? Appelez un taxi. Ah, je ne Tu comprends es pas. sérieux? Ah, je suis choquée. Il nous abandonne. Waouh, vraiment génial. Vraiment génial. Ma garde est terminée, je vais. Salut. Bonjour. J'ai besoin d'aide. Je veux dire, le bébé a besoin d'aide, urgemment. Votre bébé va bien? Non, ce n'est pas mon bébé. Ok. Le bébé va bien. Je suis médecin. Ah, c'est génial. Ce n'est pas mon bébé. Il ou elle ne va vraiment pas bien, sérieux. Je l'ai trouvé, lui ou elle, je ne sais pas. Au bord de la route. Alors je l'ai juste pris avec moi. Oh, ok. Laissez-moi prendre le bébé. Hey, bébé. Hey, comment ça va? Venez avec moi. D'accord, je vous suis. Je vous en prie. Salut. Je suis super sérieux. Elle voulait que j'abandonne le pauvre bébé au bord de la route. Je vous assure qu'elles sont folles. Je n'en doute pas, mec. C'est ce que font toutes les femmes, mec. Elles ne cesseront jamais de m'étonner. On ne peut vivre avec elles. On ne peut vivre sans elles. Elles sont vraiment folles. Mais vous savez quoi, les gars? À mon humble avis, les laisser dans la rue à 7 heures de la nuit n'était pas du tout une bonne idée. Ouais, tu sais,
Tout comme c'est pas cool de ta part de me laisser conduire tout seul dans mon état. J'aurais pu mourir. J'aurais dû faire quoi? Hein? Jouer au babysitter, tu es un homme adulte. Bien sûr, t'aurais mec, pu faire. Mec, tu n'es pas mort, d'accord? J'ai dit à ces filles de me suivre et elles ont refusé. Que devais-je faire? Leur mettre une corde au cou et les attacher et les tirer de force? T'aurais pu leur convaincre de te suivre ou même encore commander un taxi, tu vois, c'était aussi simple que ça. Un taxi, mon œil. Oh non, 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 voyons mec. Tu pouvais essayer de les flatter. Voyons mec, c'est ton domaine, tu le sais bien. Et heureusement. Et heureusement qu'elles ne sont pas venues parce que... Le Seigneur est merveilleux. Le docteur. La doctoresse. Le docteur qui s'est occupé du bébé et de moi. Qu'a-t-elle fait? La meuf est belle à mourir. Mmh. Putain! Mince! Belle? Ouais, gros. Tu veux dire belle comme Amber Rose ou alors Ruby Rose? Hey, mec. Et qu'est-ce que France a fait? Mec, c'est une fusion des deux. Vraiment? Ouais. Mon pote... Elle est comme une guitare. Je te dis, quand je me lève le matin, je la prends. Dans l'après-midi, je la prends. Après la pause déjeuner, je lui passe un coup de fil. Bébé, où t'es? Viens, viens voir papa. Elle vient et je la prends comme de la nourriture, encore et encore, sans jamais vraiment me fatiguer. C'est de ce genre de cul dont je suis en train de vous parler. Waouh! Ça veut dire qu'elle est bien roulée. Et elle est docteur. Je t'assure. Qui aurait cru qu'un docteur pouvait être aussi canon? La façon dont elle soignait ce petit bébé, mec, on aurait dit que... Si elle me l'avait pas dit, j'aurais cru qu'elle jouait un rôle, je vous assure, c'est vrai, les gars. Un docteur. La beauté et l'intelligence. Exactement comme j'aime. Mon genre de femme. Attends, tu dis qu'elle est quoi? Que tu aimes quoi? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Les gars, faites-vous examiner. Et attends un peu, mec, tu ne verras jamais cette fille. Jamais de la vie. De quoi est-ce que tu parles? On parle d'un truc qui me concerne, moi. Et non de toi. Oh, calme-toi, une meuf qui n'est pas avec toi, tu la déclares tienne. Allez, elle est encore libre. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez ce gars? Sérieusement, fais-toi examiner. Comment? Aucune idée. Tu sais quoi, faisons un pari, d'accord? Que le meilleur gagne. Écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai été submergé des réunions et de boulot de toute la journée. J'ai à peine eu le temps de sortir. Je suis sûre que si cet enfant était le vôtre, vous auriez été là à temps. De toute façon, elle peut sortir de l'hôpital. Personne n'est encore venu la réclamer. Ah bon? Et la police alors? Rien du tout? Rien. Rien pour le moment. Ils enquêtent encore. Ils n'ont encore rien trouvé et personne ne s'est présenté. Ok, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'orphelinat. Tant que personne ne vient la réclamer, on sera obligé de la mettre dans un orphelinat. Et Dieu sait que les conditions là-bas sont les pires qui soient. Jamais je ne souhaiterais qu'un enfant grandisse dans de telles conditions. Attendez, est-ce la seule option? Et qu'en pense-t-il de l'adoption? Une personne qui souhaiterait adopter l'enfant? Oui, mais par qui? Dans ce cas, nous devons chercher des parents volontaires, ce qui prendra du temps. Et on devra toujours l'envoyer à l'orphelinat pendant ce temps, alors... Sinon, ce sera l'orphelinat. Attendez ici. Et moi alors? Vous, quoi? Je veux dire, et si j'adoptais le bébé? Vous, je veux dire, avec votre épouse? Êtes-vous non. Mariée? Oh non, non, ma puce. Excusez-moi, je suis désolé. Je veux dire, je suis très célibataire. Je suis vraiment célibataire, pas mariée. Voilà. Et pourquoi voulez-vous adopter un bébé? Je veux dire, vu que vous n'avez pas de temps. Ce n'est pas un problème, j'ai une mère. Ma mère prendra bien soin du bébé, je suis sûr que ça lui plaira. Oh, c'est un grand soulagement. Je vais donc m'occuper de la paperasse. Oui. Super, génial. Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous vous occuper des documents d'adoption du bébé de la chambre 3? Oui, s'il vous plaît. Oui, le bébé trouvé hier. Oui, merci. Je suis père, juste comme ça. Oui, juste comme ça. Je suis devenu un papa avec un bébé, un papa et un bébé à la maison. Et un homme adulte et un bébé seul. Célibataire.
Laquelle de tes copines as-tu réussi enceinte cette fois? Ravi de te voir aussi, maman. Maman, je n'ai enceinté personne, d'accord? Ce bébé n'est pas à moi. Mmh. Et où est sa maman? Où t'es-tu débrouillée à rester avec l'enfant cette fois? Tu pourrais me laisser t'expliquer, tu veux? Bien. Ok, vas-y, je t'écoute. Elle s'appelle Floriche. C'est ma fille. C'est ma fille parce que je l'ai adoptée. Voilà. Tu as quoi? Mais mon fils, tu peux à peine prendre soin de toi. Combien de fois d'un bébé? Je sais, maman. Mais pourquoi as-tu fait une chose pareille? Eh bien, j'en sais rien, ok? C'est arrivé comme ça, d'accord? Tu veux bien la prendre? Je vais boire de l'eau, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh là là. Hey, Jess! Hey, Sophia. Oh mon Dieu, tu m'as tellement manqué. Ça fait quoi? Une éternité? Je sais, mon Dieu, je sais, ma longtemps. Chérie. Tourne-toi, tu sais belle. Ne me dérange pas. Vas-y, tourne, ma chérie. Laisse-moi. Tourne-toi, fais-moi voir ton popotin. Comment tu vas? Tu m'as tellement manqué, ma puce. Tu es mignonne. Toi aussi, tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu travailles? Comment on va l'hôpital? Oh, ma puce, j'ai un bon boulot. Pas de problème ouais, de cœur. Je sais. Ces gens veulent te tuer. Ma chérie, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tu as mis un temps fou avant de je me répondre. Je sais, je suis désolée. J'espère que tu as mangé quelque chose, car je n'ai rien ici. Je n'ai rien mangé, je suis affamée. Devine quoi? Je surfe sur Internet depuis mon arrivée et j'ai trouvé un endroit exotique où on peut aller manger. Alors, tu devrais aller te changer si tu veux que je mange. Bonjour. On part dans 30 minutes. C'est Lagos. Il y a de nombreux endroits où on peut aller manger. Dixie, une habitante de Lagos. Tu sais quoi? Tu devrais venir à Port Harcourt. Là-bas, tu trouveras un vrai milieu exotique. Vous vous vantez trop, vous les Lagosiens. Madame va te changer. Partons, j'ai faim. Écoute. Dépêche-toi. Check, check. On y va. Sophia, tu n'as pas changé. Donc, jusqu'à présent, tu continues toujours de manger après 19h. Tu sais, certains d'entre nous doivent bosser dur pour avoir ceci. On n'est pas aussi chanceuse que toi, qui a de bonnes gènes. Donc, je t'en prie, va te changer, on y va. Waouh, tu n'as même pas changé de Utah. Mais je suis toi très contente de te voir. Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Je vais me changer. Ma vie professionnelle est morte. Je n'ai rien écrit depuis 6 mois. Désolée. Ok, assez parlé de moi. Comment tu t'en sors à l'hôpital? Ça va. C'est tout? C'est ma vie. Et je l'adore. Et le salaire? Ça paye bien? L'argent n'est pas si important. Eh bien, pour moi, ça l'est. Je veux dire, quel intérêt a-t-on à travailler si on ne gagne pas de l'argent? Écoute, le truc, c'est que j'ai un personnage sur lequel je travaille. C'est le dragueur parfait. Grand, beau, mais quelque chose manque, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Jess, tu vas bien? Allons-nous-en. Partir? Pourquoi? Je ne veux pas qu'il me voie. Jess! Partons, partons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Partons, viens. Viens. Jess, attends. Elle se porte très bien. Ma mère prend très bien soin d'elle. C'est super. Mais vous lui manquez. Ah. Ok. Je veux dire, elle me manque aussi. C'est une petite fille adorable. Et elle est très chanceuse de vous avoir comme père. Vraiment? Je pense plutôt que c'est moi qui ai de la chance de l'avoir. Ok, alors, vous avez de la chance de vous avoir tous les deux. Vous croyez? Oui, je le crois. Dînez avec moi. Quoi? Je ne vous connais pas. Je pense que c'est une bonne occasion. Je suis un mec bien. Je vois. Alors, vous voulez bien aller dîner avec moi? Je suis souvent très occupée. Je n'ai pas le temps. J'imagine, j'imagine. Seulement, promettez-moi que vous allez sérieusement y réfléchir. Ok. Je vais y réfléchir. J'ai du travail à faire. D'accord. Je vais devoir partir. Oui, je dois voir le prochain patient, maintenant. Ah oui, oui, vous avez affaire, vous avez affaire.
Il y a plein de passions là-dehors, les gens sont malades. Tu n'y arrives toujours pas, n'est-ce pas? Et c'est vraiment frustrant, Jess. C'est du genre, à chaque fois que je prends le laptop, c'est le trou noir. Je ne sais pas quoi écrire. Ne t'inquiète pas. Ça va venir. Je ne crois pas. C'est toujours le cas. Peut-être que tu es juste surmené. Relax. Tu dois laisser ce cerveau au repos, ok? Laisse-le Mais se reposer. Mais ce cerveau doit savoir qu'il est à moi et qu'il doit réagir et travailler quand j'en ai besoin. Alors, Jess? Jess? Hello? Mais à qui tu penses? Personne. Quoi? Tu es insupportable, oh, bon sérieux. Sang. Pense à lui parce qu'il te plaît. Tu es folle, franchement. Oh là là, il te Et plaît. Qu'en est-il de la fille avec qui il était au restaurant? Oh, c'est elle qui t'a fait partir comme une voleuse. Écoute, on ne sait jamais, ça pouvait être une collègue ou alors une simple amie. Tu aurais pu lui demander, tu sais. Vraiment? Merde, so, honnêtement, j'aimerais parfois être aussi courageuse que toi, tu sais. Brave, tu vois, et dire « Hey mec, allons dîner. » Je sais, je sais. Tout le monde ne peut pas être aussi brave que moi. Oh. Impossible, ça ferait trop de personnes pareilles. Mais c'est pas grave, sans blague, je pense que tu devrais sortir avec lui. Vas-y et découvre qui est la fille. Ta vie est si ennuyante. Tu as besoin d'y mettre un peu de piment. Je vais mettre du curry dans ma vie maintenant. Merci beaucoup. Un Avec peu de du poivre. Oui, des épices. Je vais la je vais rendre pimentée. J'arrive pas à le croire. On t'a presque kidnappé sur la route et tu n'as pas fait appel à moi. C'est la vérité. Santé à ça, je pense que c'est trop fort. Tu es vraiment très courageuse. Mais comment peux-tu dire ça? Mais là, je suis vraiment très sérieux. Je pense que tu es vraiment très forte. Parle-moi davantage de toi. Eh bien... Il n'y a rien à dire. Je suis docteur. Oui, ça, je le sais, ça. J'aime mon travail. Je suis célibataire. Et tu es magnifique. Merci. Alors, tu ne veux pas savoir ce que ça fait d'être un père célibataire? Un homme sans une petite amie, sans une épouse et qui a un bébé? Peut-être que tu me le diras. Comment trouves-tu cela? Si tu restes avec moi, eh bien, tu le sauras. C'est ça. Je te vois venir. Eh bien, j'aime mon travail, j'aime m'occuper des enfants. Donc, peut-être que si tu emmènes la petite fleuriche... Oui. Peut-être. Je te trouve vraiment très ravissante comme docteur. Flatterie. Je te trouve extrêmement belle. Arrête de flatterer. Oh, désolé pour ça. Pardon, pardon. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Je suis sûr que tu entends ça tout le temps, n'est-ce pas? Merci. Tes patients en te voyant sont certainement frappés par ta beauté troublante. N'est-ce pas vrai? Vas-y, dis-moi, tu peux me le dire. Que veux-tu que je dise? Que tes patients aussi flashent sur toi. Eh bien, ce n'est pas... C'est contre l'éthique. Ah, mais je ne suis pas un patient, pas vrai? On ne doit pas sortir avec un patient. Sérieux, c'est interdit. On n'est pas censé sortir avec le patient. On ne sort pas ensemble. On est juste amis. Docteur et patient. Très bonne relation. Tu es rentré? Hey, je t'appelle pourtant depuis.
Où as-tu laissé le téléphone? Oh, je l'ai laissé là. Tu vois, je voulais te présenter à Peter. Tu es terrible. Tu es vraiment terrible. En tout cas, tu le verras prochainement. Alors il y a une prochaine fois. Eh bien... Ok. On dirait bien. Ça veut dire que le rendez-vous s'est bien passé? Très bien, je t'assure. Je veux dire, extrêmement bien. Et t'avais raison. La fille avec qui il était la nuit dernière n'est pas sa copine, mais plutôt sa collègue de travail. Eh bien, quelqu'un devrait m'écouter le plus souvent. J'ai toujours raison. Techniquement, je l'ai vue avant cette nuit-là. Et oui, eh bien, tu avais raison de m'inciter à l'inviter. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée, je t'assure. Tu vois, oh mon Dieu, je suis très contente. À quand le prochain rendez-vous? Du calme, madame. On n'a rien dit à propos, mais très bientôt, je l'espère. Super, ok. Bon, raconte, comment ça s'est passé? Dis-moi tout. Il se fait tard. Reviens ici, reviens, raconte-moi tout. Il se fait tard. Jess, reviens. Tard. Il se fait tard. Savoir. Non. Tu vas te dire, tu n'iras nulle part, madame. T'es nul, mec. Sérieusement, tu joues comme un pillard. Qu'est-ce que tu fais avec mes lèvres? Arrête de me distraire. C'est pas la peine de te concentrer. Vas-y, joue. Quel est mon nom, mec? Bien joué, c'est bien joué. Bien joué. Hé, hey, mec, décroche ton téléphone. Ça pourrait être une urgence. Je ne pense pas que ce soit une urgence, mec. Depuis que Florish est arrivée, elle ne me laisse plus jouir de mes week-ends. Tu voulais un enfant, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de décrocher, car tu sais qu'elle ne cessera pas d'appeler. Elle cessera. Tu pourrais jouer, là-bas. C'est quoi ton problème? Allez, décroche. Je te l'ai dit. Allô? Maman, 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 écoute, je suis très occupé, je suis surchargé ce week-end, ok? J'essaie de te dire que j'ai une tonne de travail à faire, maman. Pourquoi? Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Maman, j'arrive tout de suite. Mec, est-ce que tout va bien? C'est Florish. Elle est malade. Elle a apparemment pleuré toute la nuit. Putain, je ne t'envie pas, mec. Ça craint pour toi, mon frère. Allez, arrête. Écoute-toi un peu sensible. Vraiment? Laisse tomber cet idiot. Vraiment? Je n'ai pas le temps pour toi maintenant. C'est toi qui voulais l'enfant, n'est-ce pas? Très bien, quand je serai libre, je vais te refaire le portrait, tu verras. Ok, courage, mec. Or, je vais t'aider, c'est mon frère. C'est pas cool, sérieux, mec. N'est-ce pas lui qui voulait un enfant? N'est-ce pas lui qui a voulu? Allez, joue, mec. Voyons. Je ne suis pas une sorcière. Oh, Dieu. S'il te plaît, arrête avec ça. Eh bien, tout le monde sait que lorsqu'un bébé pleure, c'est possible qu'il veuille faire popo. C'est pour cela qu'elle crie et hurle afin d'attirer ton attention. Change-moi, change-moi, papa. Et ça ne fait pas de moi une sorcière. Oui. Ah. Tu es trop troll. Hey, tu n'es pas mon esclave. Je n'aime pas ce mot. Emploie un autre mot. Ok, je préfère encore celui-là. Mm-hmm. Oui. Ok. C'est faux ça. D'accord. Ok. Va regarder le bébé maintenant. D'accord. Va t'occuper de ma précieuse Florish. On se parle après.
Mauvaise nuit. T'as pas idée. Tu veux en parler? Il y a cette histoire sur laquelle je travaille depuis, mais... Mais... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... Oh! Oh, bon sang, je ne sais pas quoi faire. Je crois que je comprends. Tu as besoin d'une muse. Je le sais. Mais dernièrement, il n'y a rien ni personne qui m'inspire. Sans vouloir t'offenser, bien sûr. Pas de problème. Je ne sais pas quoi faire, Jess. Tu crois que j'ai perdu ma créativité? Bien sûr que non. Tu plaisantes. Tu es l'une des personnes les plus créatives que je connaisse. Tu es forte. Ma chérie, tu es forte. Merci. D'accord, assez parlé de moi. J'ai l'impression que tu es officiellement en couple avec le père du bébé. Hein? S'il te plaît, arrête. Crash! Cracher quoi? J'ai entendu votre conversation téléphonique la nuit dernière. Oh, allô? Reste là. Madame. Moi, je m'en vais. Allez, pose tes fesses là et dis-moi ce que je veux savoir. Jess mm-hmm. a un béguin pour lui. Je veux dire, je l'aime bien. Il est gentil. Il a vraiment intérêt à être gentil avec toi. Tu sais, tu es une fille adorable. On ne peut que t'aimer. Oh, ça me touche beaucoup. Merci. De rien. Mais c'est vrai. Tu mérites tout ce qui est bien, Jess. Je pense que tu devrais sortir avec lui et voir où ça vous mène. Sors avec lui. Tu crois? Ok. Et je sais que les enfants de l'hôpital seront toujours en vie quand tu reviendras. Chérie, je m'en vais. D'accord, vas-y. Merci. Bourreau du travail. Madame la conseillère. En passant, tu es vraiment calme. Je suis docteur. Ok, c'est bon. On y retourne. Alors, ça c'est ma chambre où je me repose et je dors. Ah, ok. Jolie. Ah, belle photo. 6 mois déjà. Ah, intéressant. Ah. Très masculin. Oh, oh oui, oui, c'est un grand lit. C'est vrai. Intéressant. Bon. Take it very nice and cool. I know you love me, baby, and I love you too. The love is strong. Nobody's gonna anywhere we enter. Would you come and be my baby, my man? Sweet love, want to be my girl? My sweet love.
J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Salut. Salut. Vraiment désolé, j'étais un peu confus. Je voudrais faire un sandwich, mais je ne sais pas si c'est avec du beurre ou de la mayonnaise. Eh bien, ça dépend de ce que vous préférez. Certains l'aiment sec, d'autres l'aiment mouillé. Je crois que je le préfère mouillé. Dans ce cas, prenez la mayonnaise. Vous avez raison. Merci. D'accord. Waouh! Oh mon Dieu! Merci encore. Mais de rien. C'était un plaisir. C'est moi qui paye, d'accord? Oh non, 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 vous n'avez pas à le non, faire. Non, non, j'insiste. Tout à l'heure, vous m'avez aidé. C'est le moins que je puisse faire pour vous, d'accord? Ok. Ce fut un plaisir. Oh, merci. Tu écris déjà? Oui, j'écris. J'ai enfin trouvé ma muse. Mais arrête, on ne parlait pas de moi. Comment c'était? Comment c'était quoi? Le sexe. Ne me dis pas qu'il t'a laissé dormir chez lui avec tout ça sans te toucher. Il est aveugle ou quoi? Ok, le sexe était bien. T'es contente maintenant? De plus, il m'a fait le petit Ok, dé- ça devient intéressant. Est-ce que c'était juste bien? Ou bien... Ok, attends. J'imagine que c'était bien s'il t'a fait le petit déjeuner. Quelle est la différence? Je veux dire, bien, c'est bien, pas vrai? Bien n'est pas juste bien. Oh, chérie, je suis fatiguée, ok? J'ai besoin d'une douche. Ouais, ne crois pas y avoir échappé. Je te laisse te reposer maintenant parce que je sais que tu as passé une J'ai besoin une nuit blanche. De prendre une douche et faire quelques travaux ici. Donc, j'ai vraiment Oui, tu as besoin de tout le repos possible. Reposer. Tu as passé une longue nuit. Tu vas pas m'échapper, d'accord? Tu dois encore me donner des détails croustillants. Ah, oh, et je te dirai tout sur le dieu grec que j'ai rencontré aujourd'hui. Cet Apollon est hyper mignon. Ouais, tu m'en parleras. Je le ferai. Va prendre une douche. S'il te plaît, peux-tu d'abord me dire un petit truc? Ouais. Tu vas tout me dire sur lui. Bien sûr que si, je ne suis pas comme toi, je ne cache pas les informations. Merci. Donc, imaginons ce scénario, d'accord? On a une reine à la recherche d'un mari. Elle envoie sept hommes dans la jungle pour chercher un trésor particulier. Et tout le monde va dans la jungle, sept mâles hyper canons, ok? Donc, ils vont dans la jungle à la recherche de ce fameux trésor. Et chacun d'eux revient avec un cadeau. Maintenant, le septième homme, qui est vraiment son homme, trouve une lame de rasoir mantra particulière dans la jungle. Et il décide de se raser complètement, d'accord? Il est désormais tout propre et très beau. Et après quoi il revient? Vers la reine. Et la reine le choisit, lui, comme son seul époux. Pourquoi? Parce qu'il est différent, parce qu'il est frais, parce qu'il est propre. Et que trouve-t-il dans la jungle? Notre magnifique lame de rasoir, mantra, la lame de rasoir. Peter, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Merci, monsieur. Eh bien, c'était une excellente présentation.
Cela veut dire que nous devons investir davantage. Lorsque le produit sera sur le marché, il sera la coqueluche des consommateurs. Compris. Bien joué, Peter. Bien joué. Messieurs et dames, une correction ou suggestion? Monsieur, c'était vraiment impressionnant. Ce serait ce que nos clients l'apprécieront et l'achèteront. Quelqu'un d'autre? Eh bien, ce sera tout pour le moment. D'accord, monsieur. Mmh. Nous devons davantage travailler dessus. Dès demain, ça sera finalisé. OK? Oui. On vous donnera l'autorisation pour le lancement. Merci, monsieur. Vous ne serez pas déçu. Bien. Sophie? Sophie? Ouais? Ton téléphone est en train de sonner. Qui est-ce? Harry. Oh! Salut. Salut, beau gosse. Oui, je vais bien. Non, c'est juste mon ami. Non, 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 ça va. Arrête. Tu es vraiment un mauvais garçon. Tu es surpris? D'accord. Tu es vraiment trop drôle. Oh, bye. Ouais. Ok, maintenant ça t'intéresse vraiment. Oh non, t'inquiète. Je serai là bientôt, oui. Juste quelques minutes et je serai là. Ouais, je te le promets. Ça va? Salut. Salut. Salut, maman. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Tu es vraiment très belle. Merci, c'est gentil. Pas de quoi. Mon bébé, je t'ai manqué. Elle se porte je très bien. Je lui ai beaucoup manqué. Son papa lui a beaucoup Coucou, manqué. Coucou, bébé. Ok, ok, tiens là. Je vais chercher ton sac. Oh, non, non, non. Attends, c'est la raison pour laquelle je suis venue. Pourquoi? Je vais te parler, d'accord? Écoute, j'aurai un grand service à te demander, d'accord? S'il te plaît, ok? J'ai une réunion vraiment, vraiment, vraiment très importante qui se tiendra au bureau toute cette nuit, ok? Toute ma carrière en dépend. D'accord. Non. Je veux juste que non. tu la gardes pour le week-end, non. c'est tout. Non. Demain, c'est le mariage de la fille de mon ami et on organise tout ceci depuis des mois aujourd'hui. Je dois y assister. Vraiment? Oui. Maman, on parle de ma carrière. La suite de ma carrière dépend de cette réunion. Je dois absolument conclure ce contrat. Si je n'y vais pas, on perdra le client. C'est ce que tu veux pour moi? Ah, ok, ok. Je crois que je vais demander à Stella de venir demain pour s'occuper d'elle. Merci, merci. Mais c'est son jour de repos. T'en fais pas pour ça, t'es la meilleure, d'accord? Regarde, Florencia est la meilleure grand-mère du monde. Et puis, regarde, dis à Stella que je vais augmenter son salaire ce mois. Assure-toi vraiment de remercier Stella, parce qu'elle prend soin de cet enfant comme du sien. Je vais laisser ça dans la chambre et après je m'en vais, d'accord? Ok. À plus tard. Un petit verre Super. Pour la suite. Super. Tiens, c'est ton verre. Prends-le, mec. Ouais. Il est temps de jouer, mec. Oh, d'accord. En plein dans le mille. C'est ça, continue de jouer. Hé, mec. Tu es sérieux? Dégage de là, putain.
bois encore, car je vais te mettre une raclée. Ok, d'accord. Accorde-moi un instant. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Es-tu amoureux, mec? Allons-y, 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 jouons. Dis-moi, tu es amoureux, mec? Enlève ça de là, mec. Je vais quand même te battre. Hé, hey, passe-moi le téléphone. Passe-moi mon téléphone. Je me demande bien qui ça peut être. I don't know how I feel tonight, yeah. I just wanna get it down, yeah. If you feel the way I'm feeling right now, you're gonna know it's time to take it inside. Would you be mine? Sweet lover, go, would you be mine? Sweet love, yeah. Come and let me take you away, baby boo. Then I'm gonna show you how I feel for you. We're gonna take it very nice and cool. I know you love me, baby, and I love you too. The love is strong. Nobody's gonna anywhere we enter. Would you come and be my baby? Eh bien, bonjour messieurs. Voici nos nouveaux clients. Ils sont là pour signer le contrat. Je suis vraiment désolé, monsieur. Pour nos nouveaux produits. Je pense que nous avons le contrat ici. Prenez-le et lisez-le bien avant de le signer, d'accord? Oh!
Excusez-moi, pardon. Une petite urgence, désolé, monsieur. Allô? Peter, ton bébé ne fait que pleurer. Je ne peux pas partir maintenant, ok? Je suis en train de conclure une affaire. Je n'en peux plus. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, je t'en prie, berce-la jusqu'à ce qu'elle s'endorme, ok? Je rentre bientôt. J'ai essayé de lui donner à manger, mais elle refuse. Qu'est-ce que je suis censée faire? Oui, pitié, débrouille-toi, d'accord? Merci. Allô? Désolé, monsieur. Pardon pour tout ceci. Oui, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Merci. Très bien. Hey, Soph. Calme-toi, calme-toi. Relax, relax. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a un enfant. Oh mon Dieu. C'est vraiment très irresponsable de sa part. Mais de toute façon, le bébé a-t-il la fièvre? On dirait que ce bébé pleure depuis un bon moment. 2 heures. Elle a sûrement développé la fièvre. Amène-la immédiatement. Sans problème, j'attends. C'est bon, j'attends. Ma santé, mon frère. Ouais. Vous savez quoi? On aurait pu négocier un meilleur contrat. C'est clair. Wow, 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 wow. Ce qu'on gagne est meilleur que les autres contrats, d'accord? Maintenant qu'on a conclu cette affaire, je pense qu'il est grand temps de célébrer ça avec des meufs, hein? Alors, pourquoi au téléphone. Pourquoi tu es femme comme ça, sérieux, mec? Hein? Allez, mec, on ne peut pas vivre sans elle. C'est ça. Toujours en train de bituner. Ah hein. Oh. Fais voir. Ah. Non. Putain. Oh, putain. Quelle malchance. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de la faute à ma mère. Que vas-tu faire maintenant? Mec, écoute-moi. Écoute, c'est exactement ce que je voulais éviter depuis le début. Je t'ai prévenu. Et en quoi tout ça résout la situation? Je t'ai prévenu. Écoutez les gars, mon frère, tu dois te calmer, ok? Comment alors nous parlons maintenant? Les filles sont déjà à l'hôpital. Écoute, calme-toi. On va régler cela ensemble, ok? Oh, merde. Tout d'abord, allons-y à l'hôpital pour voir ta fille. Et après, on verra la suite. Que j'aille à l'hôpital pour les voir toutes les deux? Ouais. Oui. Maintenant. Vous êtes sûr? Très sûr. Je me suis vraiment mis dans de sales draps. Enfin, tu me sauves la vie. Ok. Elle ne cesse de pleurer, je ne sais plus quoi faire. Oh. Infirmière?
Ça va, toi? C'est petite et ma fille, d'accord? Elle est plus importante que tes séries romantiques que tu regardes à la télé en longueur de journée. N'est-elle pas aussi adorable? Elle va rester avec toi jusqu'à ce que je règle la situation dans laquelle tu m'as mis. Ensuite, je reviendrai la chercher. Peter! Quelle situation? Peter! Peter! Quoi? Tu vas bien? Oh là là. Mec. Tu sais que tu as merdé? Mec, écoute. Tu sais ce que je pense au sujet de ces histoires de femmes. Je n'ai pas le temps pour tout ce cinéma. De plus, en quoi ma présence aurait-elle changé les choses? Tu sais que ton ami a besoin de toi. Et c'est en partie de ta faute si ce gars se retrouve dans ce merdier. Et tu sais. Hey, s'il te plaît, arrête. Arrête toute cette remontance de sainteté. Je sais qu'au fond de ton cœur, tu es content pour ce qui est arrivé. Et si tu peux nous rabâcher les oreilles avec tes... Je te l'avais bien dit, putain. Mais je l'ai fait. Je vous avais prévenu. Je vous ai prévenu que... Ce genre de vie que vous menez, qui est de sauter de femme en femme, n'est pas bien. C'est débile. Oui. Mais ce n'est pas une vie. Oui, oui. Selon ton livre, restez seulement amis, n'est-ce pas? L'a-t-elle meilleure? Ça suffit. Écoute, cette situation est vraiment déplorable. J'ai de la pitié pour lui. J'ai beaucoup de peine pour lui. Mais je crois que qu'il aime ses femmes. Il se soucie vraiment d'elle. Bien sûr que si. Il est sincère, là. Écoute, il a des sentiments pour toutes les deux. Je ne sais pas comment. Tu vois, on peut continuer à maintenir ses sentiments constants. Comme toi. Crois-moi, mec, c'est déprimant. Tu sais... Tu dois apprendre à exprimer tes émotions des fois. En particulier lorsque tu sais que tu as prévu de te marier plus tard. Écoute qui parle. L'homme qui reste ami avec les femmes, tu crois que c'est facile? Tu sais, garde tes conseils pour toi-même. Mais quand je t'entends parler, avec tes raisonnements, tu risques de terminer garçon donné au mariage de Jenny. Que veux-tu dire? Peux-tu s'il te plaît démarrer cette voiture foutant dans le... Tu as peur que la prophétie s'accomplisse, hein? Ouais, c'est ça, dégage que j'ai de prophétie. Alors, tu es sûre de ne pas vouloir m'accompagner? Non, je reste à la maison. Ça va aller, tu peux prendre ma voiture. Non, pas besoin. À moins que tu ne viennes avec moi, je prendrai un taxi. Non, sans façon. Donc c'est vraiment non? Mais j'ai déjà répondu non. Ok, si tu le dis. Eh bien... Ok. Écoute, mec. Je ne t'ai jamais vu dans un pareil état auparavant. Mec, tu as des sentiments pour ces deux femmes. Que vas-tu faire à propos de cela? J'en sais rien. Je suis aussi confus que tu ne l'es, mec. Je suis vraiment amoureux de ces deux femmes. Tu sais... Tu sais que tu ne peux pas les avoir toutes les deux, n'est-ce pas? Tu es vraiment sérieux, là? Bien sûr que je le sais. Mais je ne sais pas laquelle les deux prendre. Je ne sais pas laquelle les deux choisir. Elles sont vraiment très bien, toutes les deux. Écoute, peut-être même que tu n'as pas fait un choix. Que veux-tu dire par ne pas faire un choix? Je veux dire que tu n'as pas choisi. Écoute, voilà ce que nous allons faire. Tu vas envoyer un texto à toutes les deux. Et tu vois qu'il te répondra en premier.
Ok. Et voilà. Parce que celle qui te répondra en premier t'aime plus. Et c'est elle que tu choisiras. Oui. C'est vrai en plus. Parce que lorsqu'une femme t'aime, elle pourra te pardonner toutes les bêtises que tu pourras faire et peu importe ce que c'est, n'est-ce pas? Exactement. Ma mère passe le temps à me le dire, je l'ai entendu me le dire plusieurs fois déjà. Donc tu vois, celle qui te répondra en premier t'aime plus et c'est avec elle que tu t'aimeras. Car tu sais que cette femme sera avec toi sur le long terme. Tu as raison. Tu parles bien. Pour la première fois, tu parles bien. Ouais, n'importe quoi. Ce qui compte sur le long terme. Je vais leur envoyer un message à toutes les deux. Qu'est-ce que c'est? C'est lui? Oui, que veux-tu? Je n'en sais rien. Qu'on se voit pour discuter. Il m'a aussi écrit. Quel salopard. Je sais. Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis le fond de ma pensée. Hey, non! Donne-moi ça. Tu ne dois pas lui écrire. Ignore cet idiot. Ouais, ignore-le. Donne-lui une leçon. Oui, tu as raison. On va l'ignorer ouais. Pour qu'il comprenne qu'on n'est pas intéressé par... On n'est pas intéressé par ces pas mensonges. Tromperie et mensonges. Ok, tu as dit mensonge deux fois. Ouais, tu as dit mensonge avant les tromperies et après. Ai-je perdu la tête? Non, c'est lui qui a perdu la tête. Il croit qu'on va lui répondre à cette espèce de menteur patenté. Oui, c'est plutôt lui qui a perdu la tête. Et... on ne va pas lui pardonner. Non. Parce que on refuse de souffrir à cause de lui. Nous ne le sommes pas. Oui. Idiot. Idiot. Je veux dire, nous on s'en fout. C'est plutôt lui qui va souffrir. Pensons à nous parce que nous on s'en fout. Est-ce que tu es sûre que tout va bien? Je suis juste en train de manger. Je vais bien. Tu peux toujours venir avec moi, tu sais. Non, il faut partir. Va t'amuser. Je suis calme. Je suis calme. Je veux dire, je vais bien. Et puis je m'en fous. Oui, on s'en fout. Il viendra nous supplier à genoux et en pleurant. Il reviendra demander pardon et nous lui dirons non. Oui, on dira non. Oui. Ok. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Mon téléphone. Il est là. Ne lui écris pas. Bien sûr que non. Pourquoi vais-je lui écrire? Moi? Je t'assure, je n'ai aucun problème. Très bien. Si tu es sûre de ne pas venir, je m'en vais. Je vais bien, je vais bien. Tu es sûre et certaine? Je vais bien. Je n'ai pas de problème. Je veux dire, je ne peux plus jamais voir sa face de bras. Ok, tu es sûre que ça va? Oui, je vais bien. Je mange, c'est tout. Je peux rester? Non, vas-y, va t'amuser. On n'a aucun problème. Voilà. Aucun. Bien. D'accord. Je ne serai pas longue. Le repas est délicieux. Ouais, savoure-le. Oui. D'accord. On s'en fout. À tout à l'heure. Nous ne sommes pas affectés par tout ça. Tous ces mensonges ne nous affectent pas. J'ai oublié mon... Tu vas bien? Hey, ma chérie. Je vais bien. Ok. Ouais. Ok, ma chérie. À plus. Amuse-toi bien. Merci. Prends soin de toi. Je vais bien. You came to my life when I needed you. It feels so good. When you made me fall in love with you, it feels so good. Then you broke my heart and left me in pain. Now that's so bad. You took my joy away and left me in pain. Now that's so bad.
came to my life when I needed you. It feels so good when you made me fall in love with you. It feels so good. Then you broke my heart and left me in pain. Now that's so bad. You took my joy away and left me in pain. Now that's so bad. 'Cause you got my heart with you, my heart with you. Oh no. Oh yeah. You got my heart with you, my heart. Peter. With you. Oh, no. Oui, maman. Peter, pose ce téléphone que je te parle. Maman, je t'écoute. Je termine un truc. J'aimerais que tu rencontres Anita. Elle est médecin et elle vient de rentrer du Royaume-Uni. Elle est très jolie et je suis sûre qu'elle te plaira. Un autre docteur? Comment ça? Rien du tout. Oh. Anita! Anita! Oui, maman? S'il te plaît, viens. D'accord. Salut. Anita, voici Peter, mon fils. Mon fils, Anita. Ravie de te rencontrer, Peter. Ravie aussi de te rencontrer. J'ai tellement entendu parler de toi. Super. Anita m'a aidé à mettre Florish au lit. Elle s'est endormie. Merci. Je t'en prie, Peter. Maman, je vais boire de l'eau, d'accord? Oui, bien sûr. D'accord. Non, t'inquiète, je vais te l'apporter. Oh non, je suis dans ma maison, d'accord? Ok, si tu insistes. Waouh, maman, il est tellement mignon. Oui. Je l'aime bien. Bientôt, très bientôt. Merci, maman. Écoute, j'ai compris tout ce que tu m'as dit, Anita, ok? Je comprends parfaitement. Écoute, Anita, la vérité, c'est que ma mère t'aime bien. Ouais, elle t'aime bien. Moi, pas. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Je veux juste te dire, je ne veux pas de relation avec toi. Je n'en ai pas envie. Mais Peter, tu as couché avec moi. Oui, c'est arrivé. J'étais ivre. Je dirais que j'étais vraiment sous l'influence de l'alcool. N'as-tu pas senti l'alcool ce jour-là? Suis-je le seul mec avec qui tu as couché le premier soir? Peter, je suis revenue dans ce pays juste à cause de toi. Peter, et ta mère m'a promis que tu allais m'épouser. Peter, tu dois m'aimer. Oui. Hein? Tu dois m'aimer. Rassure-toi d'appliquer tout ce que je t'ai dit. Oui, maman. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. D'accord. Je ne sais pas ce que j'ai bien pu lui faire. Ça va aller, ma chérie. Oui, ne maman. Ne t'inquiète pas. Ça va aller.
Comme je te l'ai dit, Anita, tu es une belle femme. Tu as tout ce qu'il faut pour plaire à un homme. Ne t'en fais pas, Peter va revoir sa décision. Je ne pense pas qu'il m'aime. Non, ne pense pas ainsi. Mon ami t'aime déjà. Donc, sois calme, ça va aller. D'accord, il maman. Il doit t'épouser. On t'aime beaucoup, donc il n'a pas le choix. Il va t'épouser. Merci, maman. Ok, ma chérie, prends soin de toi. Bye. Merci. Bye, 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 maman. Oh, salut. Salut, toi. Bienvenue. Merci. Waouh. Tous ces habits, tu sors? Ouais. Je cherche quoi me mettre pour le rendez-vous que j'ai. Un rendez-vous? Waouh. Ça veut dire que t'as rencontré quelqu'un? Ouais, j'ai rencontré un mec. Il s'appelle Sam. Sam. Ce n'est pas vraiment important. Désolée si j'ai oublié de t'en parler. C'est pas important, mais tu as rendez-vous avec lui. Je ne comprends pas. Juste, comment était le travail? Je vois, c'était la routine. J'imagine. Y a-t-il à manger? J'ai faim. Ouais, j'ai fait de la viande de bœuf avec de la sauce tomate. Tu as préparé? Quoi? Pourquoi tu es autant surprise? Je savais que tu aurais faim, alors j'ai fait la cuisine. À présent, tout ce que tu as à faire, c'est juste prendre un bain, manger et dormir. Je vais donc me doucher. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je m'en vais me doucher. D'accord. Bien, d'accord. Je continue mes recherches. Je t'assure, mon pote. Crois-moi, les histoires de femmes m'ont toujours dépassé. C'est au-dessus de mes forces. Mais tu sais quoi? Depuis la création, mon frère, les femmes sont la plus grande énigme des hommes. Tu es le maître en matière de femmes. Tu vas régler ça. Si jamais tu échoues, fais la même chose que j'ai faite. De quoi tu parles? Laisse une te choisir. Aussi simple que ça. C'est ce que tu m'as dit, pas vrai? J'ai appris de toi. Crois-moi. Ce n'est pas aussi simple que tu puisses le dire. Surtout quand tu as la merci de l'une d'entre elles. Elle peut me faire virer. Oui, je vois, tu es foutu. Tu es vraiment mal barré. En tout cas, levons nos verres et buvons à nos problèmes de femme. Quoi? Qui est-ce? Ce n'est pas bon du tout, mec. Oh, Seigneur, aide-moi. Bye, Jess. Sophia, est-ce que tu sors? Je m'en vais. Ok, amuse-toi bien. Thank you.
surprise de me voir. Oh, tu as avalé ta langue. Wow. Donc, c'est du Sam dont tu parlais. Sophie. Oh Dieu. Tu sais, je suspectais ceci et j'ai décidé de te suivre au restaurant pour voir ce fameux Sam. Et en fait, il s'agit de Peter. Le même Peter que tu m'as demandé d'ignorer. Oh, ignorons-le pour qu'il ressente ce que nous avons ressenti. Vraiment? Vraiment? Sophie, comment as-tu pu me faire ça? Tu as été capable de me tromper? J'espère que ça en valait vraiment la peine. Oh, s'il te plaît. Jess! Pardon, tais-toi. Salut, Jess. Est-ce qu'on peut parler? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Oh, Jess. Ce n'est pas ce que tu penses, d'accord? J'avais juste besoin de le voir. C'était nécessaire pour le livre que je suis en train d'écrire. Pour ton livre. Tu m'as trahi. Tu as trahi notre amitié à cause d'un stupide livre. Je suis désolée, d'accord? Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste terminer le livre et te le laisser entièrement. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends vraiment parler? Oh mon Dieu, tu ne sais même pas que tu es malade. Je... Honnêtement... Avant de faire ça, t'es-tu demandé ce qu'il allait ressentir? Comment il allait se sentir? Mais il ne se souciait pas de nos sentiments quand il se jouait de nous deux. Voyons, Jess, allez. Calme-toi, d'accord? Ne t'avise plus jamais de me toucher. Ne t'avise plus jamais de poser tes sales mains sur moi. Tu ne l'as jamais aimé. Tu m'as poignardé dans le dos juste à cause de ton stupide livre. Seigneur. Je t'ai supporté pendant toutes ces années, malgré que tu ramenais toujours tout à toi. Tout pour Sophie, tout pour Sophie, toujours toi. Tu ne penses qu'à personne d'autre. C'est toujours toi. Tu n'as toujours été qu'une sale enfoirée d'égoïste. Ok, ok. Tu as dit ce que tu pensais. Oui, je suis égoïste. Oui, il faut toujours que ce soit moi. Sophie obtient toujours ce qu'elle veut. Sophie est méchante. Sophie est une garce. Sophie est égoïste. Mais qu'en est-il de toi? Es-tu honnête à propos de qui tu es, ce que tu veux? Parce que si tu l'étais, tu ne te sentirais pas ainsi. Putain. Jess, tu es trop... Bon sang, tu as toujours besoin d'être gentil tout le temps. Même quand ça te ronge. Putain, tu es tellement fausse. Je suis fausse. Oui, tu l'es. Tu me traites de fausse parce que je te laisse faire tout le temps? Parce que je n'aime pas les disputes? C'est pour cela que je suis fausse? Ok, je préfère partir. Oui, c'est ça. Fuis. Fuis, c'est tout ce que tu sais faire. Tu es toujours en train de fuir tes problèmes. Bordel, tu es trop faible. Qu'est-ce que tu attends pas? Tu sais pourquoi je t'ai supporté pendant toutes ces années? Sais-tu pourquoi? Tu vas me le dire. Parce que je te prenais pour ma sœur. Celle que je n'ai jamais eue. Et tu sais que les sœurs ne se font pas ce genre de choses. Je n'aurais jamais pu faire ce genre de choses à ma sœur. Mais c'est bon. Assez de ces bêtises. J'en ai marre.
avant que je ne rentre, prends tes affaires. Et puis, va-t'en. Eh bien, je vais partir! C'est pas comme si j'avais besoin du stupide ami. Mon fils. Mon fils. Oui, maman. Tu vas me dire ce qui s'est passé la nuit dernière? Maman, il ne s'est rien passé. Eh bien, le bébé a eu de la température pratiquement toute la nuit. Elle se sent un peu mieux maintenant, mais... Oui. Elle a fait la diarrhée toute la nuit. Mon bébé, ça va? Mon fils. Tu ne te sens pas bien? Donc tu peux me dire que tu as décidé comme ça de dormir chez ta mère un vendredi soir? Qui crois-tu vraiment tromper? Moi ou toi? Maman, je n'ai rien à te dire, d'accord? Il ne s'est rien passé. Ah, j'ai juste quelques petits problèmes. Mon fils, tu ne peux pas continuer comme ça. Je veux dire, tu ne peux pas passer ton temps à passer d'une femme à une autre. Écoute, choisis-en une. Je n'ai aucun problème. De plus, ça se voit que tu n'es pas d'accord avec celle que j'ai pu choisir pour toi. Ok, choisis n'importe laquelle. Maman, s'il te plaît, tu as de l'aspirine? J'ai les maux de tête, s'il te plaît. Bien. Je vais apprêter le petit déjeuner pour que tu puisses prendre tes comprimés, d'accord? Et puis donne-moi le bébé pour que tu puisses aller prendre une douche. Non. Je vais encore l'apporter, d'accord? Ne te dérange pas pour ça. Je prendrai le temps d'aller me laver après. Comme tu veux. Je vais apprêter ton petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai jamais été autant confus auparavant. Je croyais avoir trouvé la bonne quand j'ai rencontré Jessica. Elle est brillante, gentille, belle. Ensuite, j'ai rencontré Sophia. Elle a aussi toutes ses qualités. Et plus. Seigneur, c'est vraiment trop difficile. N'oublions pas que Sophia a répondu au message la première. En fait, le marché était de prendre celle qui répondrait au message en premier, n'est-ce pas? Mais Jessica est venue hier soir. Mince. Si je pouvais d'un coup de baguette oublier tout ça. C'est vrai qu'elles ont toutes les deux des attraits différents. Et malheureusement, je ne peux pas les avoir toutes les deux. Qui vais-je choisir? Ça dépend de toi, bébé. Aide ton papa à faire un choix. Du calme. Maman? Maman? Qui a-t-il? Calme-toi. Je n'en sais rien et pleure, sans aucune raison. Donne-la-moi. Oh mon Dieu. C'est quoi? Elle a recommencé à faire de la fièvre. Elle est brûlante. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas lui donner de remède. Je pense qu'on doit l'amener à l'hôpital. Tu veux dire maintenant? Oui, faisons vite. Ça va aller. D'accord. Je vais éteindre le feu, d'accord? Hé, bébé, ça va aller. Ok. Ok. Elle a juste une poussée de dents. C'est la raison pour laquelle elle fait de la diarrhée. C'est rien de grave. Elle ira mieux. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des médicaments pour couper la diarrhée et baisser la fièvre? J'ai déjà fait l'ordonnance. L'infirmière, Angela, va vous la donner avant que vous ne partiez. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne fais que mon travail. Et quand est-ce que nous pourrons sortir? Je pense qu'elle peut déjà sortir. Mais si ça ne vous dérange pas, je peux la garder cette nuit afin de l'observer. Oui, nous allons rester cette nuit. Je serai dans mon bureau. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. L'infirmière Angela veillera sur elle. Merci infiniment. Jessica? Du calme, bébé. Du calme. Ça va aller, mon bébé. Ça va aller. Patience, hein? Patience.
Ce n'est qu'une dent, ça va aller. Ça va aller. Allez, allez, ça ira mieux, mon bébé. Bon, vas-tu me dire ce qui se passe entre vous deux? Entre qui, maman? Oui, entre toi et la jolie docteur. Qu'est-ce que tu as encore fait? Pourquoi penses-tu que je lui ai fait quelque chose? Parce que je te connais. Je suis ta mère. Et je suis une femme. Et je peux t'assurer qu'elle est vraiment amoureuse de toi. Mais elle avait l'air profondément blessée. Mais qu'as-tu fait pour la rendre si triste? Tu crois vraiment qu'elle m'aime? Je sais qu'elle t'aime. Que lui as-tu fait, mon fils? Maman, c'est vraiment une très longue histoire, d'accord? J'espère sincèrement qu'elle me pardonnera. Eh bien... Une femme qui est amoureuse de toi peut te pardonner presque tout. Et te connaissant, ce n'est pas aussi mauvais que tu penses. C'est une femme bien, qui a un bon cœur. Va lui parler. Excuse-moi. Jess, puis-je... Je sais que je ne mérite pas ton pardon, d'accord? Mais je sais que tu es vraiment une femme bien. Et je sais que tu as bon cœur. Et Jessica... Jessica, je vais changer, d'accord? S'il te plaît, je te le promets. Je reconnais mon erreur. Donne-moi une autre chance de me racheter auprès de toi, s'il te plaît. Et Florish. Florish a besoin de toi, Jessica. J'ai besoin de toi, bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Pitié, je t'en supplie. Je t'en prie. Pardon. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu es entré dans ma vie en ce moment.
Je ne comprends pas. Pardon, je suis vraiment désolée. Je suis confuse. Je ne sais pas quoi faire. Jessica, pardonne-moi et donne-moi juste une autre chance. J'ai fait des erreurs, oui. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer tous mes torts. Écoute, regarde-moi. Tu m'as blessé énormément. Je sais, je suis désolé. Tu as brisé mon cœur. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. I don't know how I feel tonight, yeah. I just wanna get it done, yeah. If you feel the way I'm feeling right now, you're gonna know it's time to take you inside.